Un petit verre paillé, Madame Chirac ? Volontiers. Vous allez voir, il est généreux, avec une belle pointe d'acidité. Comme moi. Eh, hey, faut voter pour Madame Chirac, hein. Ouais. Allez, ouais. Plus de 20 ans qu'elle nous aide encore, elle. Elle, au moins, elle s'intéresse vraiment aux gens. Un petit dernier pour la route ? Oui. Allez. Et voilà. Une bonne journée, Madame Chirac. Oui, merci. Et en même temps, faut bien qu'ils se défendent. J'espère que t'as pas oublié pourquoi tout a commencé. Parce que sinon, je t'explique. Attends, t'as rien compris, mon pote. Je te parle pas d'explication, là. Je te parle des moyens utilisés. Enfin, regarde-moi ça. Mais justement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a une histoire derrière tout ça. Et le problème, c'est que t'es trop puté pour comprendre. Vas-y, répète pour voir. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je vous sers ? Rien pour l'instant, mais en fait, j'aurais besoin d'un jeton de téléphone, s'il vous plaît. Un jeton de téléphone ? Un jeton pour téléphoner. Je vois pas. Alors, je sais, j'ai que de la monnaie étrangère, mais... C'est français, ça, madame. C'est des euros. C'est pas étranger. Oui, mais là, on est en France. Oui, on est en France, mais la monnaie nationale ici, c'est l'euro. Comme dans toute l'Europe. Vous venez d'où, vous ? Je suis française, monsieur. En fait, vous n'avez pas de cabine, c'est ça ? Ah non, madame, on n'a pas de cabine, non. Ah, il suffisait de dire tout de suite. Ok. Ok. Bonne journée, monsieur. Au revoir, madame. Je sais pas ce qu'elle a fumé, celle-là, mais... ça doit être du lourd. Diop, j'ai quelque chose pour toi. De la part de ton voisin. Monsieur, votre message a été livré. Sans savoir ce qu'il attendait. Ah, bonjour mon chéri. T'étais pas avec quelqu'un ? Comment ça ? J'ai entendu une voix d'homme en passant sous la fenêtre. J'étais inquiet, je t'ai appelé. T'as pas entendu ? Ah, mais non, c'est... je regarde une série. C'est ça que t'as entendu ? Tu regardes une série à 6h du mat, toi ? Oui. J'arrive pas à fermer l'œil.